À Paris, quand nous disions que nous allions faire un film sur Ellis Island, presque tout le monde nous demandait de quoi il s'agissait. À New York, presque tout le monde nous demandait pourquoi. Non pas pourquoi un film à propos d'Ellis Island, mais pourquoi nous. En quoi cela nous concernait-il, nous, Robert Bobert et Georges Perec? Il serait sans doute un peu artificiel de dire que nous avons réalisé ce film à seule fin de comprendre pourquoi nous avions le désir ou le besoin de le faire. Il faudra bien pourtant que les images qui vont suivre répondent à ces deux questions et décrivent non seulement ce lieu unique, mais le chemin qui nous y a conduit. Millions d'émigrants en provenance d'Italie, 4 millions d'émigrants en provenance d'Irlande, 1 million d'émigrants en provenance de Suède, 6 millions d'émigrants en provenance d'Allemagne, 3 millions d'émigrants en provenance d'Autriche et de Hongrie, 3 500 000 émigrants en provenance de Russie et d'Ukraine, 5 millions d'émigrants en provenance de Grande-Bretagne, 800 000 émigrants en provenance de Norvège, 600 000 émigrants en provenance de Grèce, 400 000 émigrants en provenance de Turquie, 400 000 émigrants en provenance des Pays-Bas, 600 000 émigrants en provenance de France, 300 000 émigrants en provenance du Danemark. Pendant toutes ces années, les navires à vapeur de la Cunard Line, de la Red Star Line, de l'Anchor Line, de l'Italian Line, de la Hamburg America Line, de la Holland America Line, sillonnèrent l'Atlantique Nord. Ils partaient de Rotterdam, de Brême, de Göteborg, de Palerme, d'Istanbul, de Naples, d'Anvers, de Liverpool, de Lübeck, de Salonique, de Bristol, de Riga, de Cork, de Dunkerque, de Stettin, de Hambourg, de Marseille, de Gênes, de Danzig, de Cherbourg, du Pirée, de Trieste, de Londres, de Fiume, du Havre, d'Odessa, de Tallinn, de Southampton. Il s'appelait le Darmstadt, le Fürst Bismarck, le Stadtendamm, le Kaiser Wilhelm, le Königin Luise, le Westernland, le Penland, le Bohemia, le Polynesia, le Princess Irene, le Princeton, l'Umbria, Lusitania, l'Adriatique, le Coronia, le Mauretania, le San Giovanni, le Giuseppe Verdi, le Patricia, le Duca degli Abruzzi, le New Amsterdam, le Martha Washington, le Thuringia, le Titanic, le Lydia, le Susquehanna, l'Albert Ballin, le Huntington, le Columbus, le Reliance, le Blücher. Mais la plupart de ceux qui, au terme de leur harassant voyage, découvraient Manhattan émergeant de la brume, savaient que leur épreuve n'était pas tout à fait terminée.
Il leur fallait encore passer par Ellis Island, cette île que, dans toutes les langues d'Europe, on a surnommé l'île des larmes, Trenan Insel, Vispapleachu, Island of Tears, Isola delle Lagrime, Tonisiton Zakrion, Ostrov Schloss, Treirinsel. C'est un petit îlot de 14 hectares, à quelques centaines de mètres de la pointe de Manhattan. Les Indiens l'appelaient l'île aux mouettes et les Hollandais l'île aux huîtres. Son premier propriétaire fut un riche armateur hollandais nommé Poe, puis un certain capitaine Dyer, receveur des douanes, puis un nommé Thomas Lloyd. En 1765, un pirate du nom d'Anderson y fut pendu, et pendant une dizaine d'années, l'îlot s'appela l'île du Gibet. Puis l'homme qui pour toujours devait lui donner son nom, Samuel Ellis, l'acheta. Il la légua à son petit-fils, qui la revendit à un certain John Berry, lequel la céda à la ville de New York, laquelle la vendit enfin pour 10 000 dollars au gouvernement fédéral. Puis vers 1890, le secrétariat d'État à l'immigration décida d'y construire un centre d'accueil pour remplacer les bâtiments de Castle Garden devenus trop petits. Les bâtiments n'étaient pas tout à fait achevés lorsque, le 1er janvier 1892, la première immigrante fut officiellement accueillie à Ellis Island. C'était une jeune Irlandaise de 15 ans, originaire du comté de Cork, nommée Annie Moore, et on lui remit en guise de bienvenue une pièce d'or de 10 dollars qui vaudrait aujourd'hui environ 1500 francs. Presque 63 ans plus tard, le 12 novembre 1954, le ferry qui faisait continuellement la navette entre le port de New York et l'île, et que l'on voit encore aujourd'hui à demi sombré près du débarcadère, fit son dernier voyage. Il ne transportait qu'un passager, les derniers immigrants enregistrés par les services d'Ellis Island, un marin norvégien. Entre-temps, près de 16 millions d'hommes, de femmes et d'enfants passèrent par Ellis Island, dont plus des trois quarts entre 1892 et 1914. Ces années-là, il arrivait jusqu'à 10 000 personnes par jour. Laissés à l'abandon depuis 1954, les bâtiments d'Ellis Island, que les architectes Barling et Tilton avaient construits dans le style de la Renaissance française, ont été en 1976, à l'occasion du bicentenaire des États-Unis, classés monuments historiques et rouverts au public. Mais l'émigration vers les États-Unis avait commencé bien avant que ne commence Ellis Island et ne s'est pas terminée avec sa fermeture. Les Mexicains, les Portoricains, les Coréens, les Vietnamiens, les Cambodgiens ont pris la relève. C'est le mercredi 31 mai 1978 que nous avons pour la première fois, Robert Bobert et moi, visité Ellis Island. En même temps que nous, il y avait un couple d'une cinquantaine d'années dont la mère de la femme, une Roumaine qui était passée par Ellis Island, était morte quelque temps auparavant. Et une toute jeune femme qui tenait dans ses bras un bébé âgé de quelques jours à peine. Ce n'est jamais, je crois, par hasard, que l'on va aujourd'hui visiter Ellis Island.
Ceux qui y sont passés n'ont guère eu envie d'y revenir. Leurs enfants ou leurs petits-enfants y retournent pour eux. Viennent y chercher une trace. Ce qui fut pour les uns un lieu d'épreuve et d'incertitude est devenu pour les autres un lieu de leur mémoire, un des lieux autour duquel s'articule la relation qui les unit à leur histoire. Good morning and welcome to Ellis Island. My name is Tom Bernardin and I'll be your tour guide for the next hour or so as we visit some rooms inside Ellis. Do we have any people whose relatives came through Ellis Island? Yes. All right. And from what countries? Italy? Germany? Poland? Ireland? France? Where else? Czechoslovakia? Czechoslovakia? Anybody from Russia? Ireland? Russia? Anybody else? Ireland, Sicily, and England, all right. And what years was that? The 1980s, 1905. 1909. Anybody else know? 1913. All right. They say that 50-70% of every American has had somebody in his family pass through Ellis Island. You're standing in front of the second Ellis Island building. The first one was here from 1892 to 1897. It was made of wood and it looked a lot like this building. Well, it burnt down one night in a fire in 1897. And they started immediate construction of this building. At the time that it was being built, in the late 1890s, America was in a depression. And they figured they'd have about 500,000 immigrants a year passing through Ellis on their way to America. So they built it to serve that figure. Well, the year it opened, 1900, saw almost a million immigrants coming. And almost a million a year kept coming for many years. To the left of that, half sunk in the ferry slip, is a famous ferry called the Ellis Island. And it was used to transport the immigrants from Ellis to the Battery once they had finished the immigration process. Believe it or not, that ferry could hold over 1,000 passengers and it traveled over 1,000,000 miles, just making that simple trip from Ellis to the Battery. Are there any questions? How come the ferry was never restored? It was never restored? Well, they left it out here and it just deteriorated. They didn't realize the historical value of it. What the famous singer who sang? The rooms that we are going to visit are safe. But the other rooms are not safe. Ellis Island was left vacant in 1954, and that's when most of the deterioration happened. If you decide to take your own private tour, you might get hit over the head by some falling plaster. So please stay together. There were other ports of entry into the United States. Up and down the East Coast and up and down the West Coast. There's Angel Island in California. You could have come through Boston or Baltimore or through Texas. But 70% of all immigrants to America pass through the port of New York. So when you're talking about the largest free mass movement in the history of civilization, you're talking about the room that you're standing in right now. Not everybody who passed through the port of New York had to come to Ellis Island. And that's a very important fact. If you had money in Europe, you would have bought a first-class ticket or a cabin-class ticket, and you didn't have to come to Ellis. The steamship would pull into New York Harbor, and a medical inspector would board and go to the cabin-class people and give them a very quick medical examination. And if you didn't cough and die right on the spot, they would stamp your papers and they'd let you in. Because they figured if you had the money for an expensive ticket, you obviously could support yourself. And they didn't have to worry about you becoming a public charge. The passengers that had to come to Ellis were those that came in steerage.
And you've probably all heard of that term before. It's the bottom part of a steamship, and it's underneath the waterline. There's no windows, no ventilations. The ceiling's 5 or 6 feet high, triple bunk beds. And the largest steamships could hold 1,500 to 2,000 passengers, and they would cram you in there. The sink that you washed your baby's diapers in, you had to wash your eating utensils in. And with the guy above you getting sick all over you on the trip over here, you could leave Europe perfectly healthy, but you could have easily contracted a contagious disease that would prevent your entry into America. Now I'm talking about 5,000 people a day. There was even a day in 1907, our peak year, that you had 12,000 people. So you can imagine the chaos and the confusion that went on here. People speaking as many as 25 different languages. Are there any questions? All right, follow me, please. Just hold on for just a second. Up until the year 1911, there was a staircase right about here, and it went up and it joined the ceiling where you see that white paint. The immigrants were then directed to climb that staircase. And they didn't realize it, but that staircase was very, very important, because as they were beginning to climb, their medical examination had begun. There were two medical inspectors standing at the top of the stairs looking down at the immigrants to see who had difficulty climbing. And if you had a limp, they had a piece of chalk, and you'd get an L on your lapel. If you were all red and had difficulty breathing, you might have a heart condition. You'd get an H. A mother carrying a baby 2 years or older, put the child down and let's see it take some steps. Speak to the child to make sure it can hear. Then you would undergo the rest of your medical examination at the top of the stairs, and that's in the main registry hall, and that's where we're going now. Follow me, please. Comment décrire? Comment raconter? Comment regarder? Sous la sécheresse des statistiques officielles, sous le ronronnement rassurant des anecdotes mille fois ressassées par les guides à chapeau scout, sous la mise en place officielle de ces objets quotidiens devenus objets de musée, vestiges rares, choses historiques, images précieuses, sous la tranquillité factice de ces photographies figées une fois pour toutes dans l'évidence trompeuse de leur noir et blanc, comment reconnaître ce lieu? Restituer ce qu'il fut? Comment lire ces traces? Comment aller au-delà, aller derrière? Ne pas nous arrêter à ce qui nous est donné à voir? Ne pas voir seulement ce que l'on savait d'avance que l'on verrait? Comment saisir ce qui n'est pas montré? Ce qui n'a pas été photographié, archivé, restauré, mis en scène? Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien? Ce qui était ordinaire? Ce qui se passait tous les jours. Nous avons arpenté des dizaines et des dizaines de couloirs, visité des dizaines et des dizaines de salles, des pièces de toutes dimensions, des halls, des bureaux, des chambres, des buanderies, des toilettes, des cagibis, des débarras. Et chaque fois en essayant de nous représenter ce qui s'y passait, à quoi ça ressemblait, qui venait là et pourquoi, qui parcourait ces corridors, qui montait ces escaliers, qui attendait sur ces bancs, comment s'écoulaient ces heures et ces jours, comment faisaient tous ces gens pour se nourrir, se laver, se coucher, s'habiller.
Cela ne veut rien dire de vouloir faire parler les images, de les forcer à dire ce qu'elles ne sauraient dire. Au début, on ne peut qu'essayer de nommer les choses, une à une, platement, les énumérer, les dénombrer, de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Deux grands doubles éviers de faïence blanche, dont l'un est pourvu d'une essoreuse à main, quatre chaises, deux planches à repasser reposant sur de larges pieds de fonte, l'un de base rectangulaire, l'autre de base ovale. L'une supporte un fer électrique, l'autre, encore couverte d'un épais tissu blanchâtre, est munie d'un restant de jeannette tendu d'un tissu rayé analogue à la toile à matelas. Trois machines à coudre, dont deux sont encore équipées de leur tête, une singère et une white rotary, et, aux deux tiers de la hauteur, deux longues planches vissées dans le carrelage des murs qui retiennent encore des souvenirs de cordes à linge. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, et l'on sait seulement que ce n'était pas ainsi au début du siècle. Mais c'est cela qui nous est donné à voir, et c'est seulement cela que nous pouvons montrer. This is the Great Hall, or the main registry hall. This is the room that you saw in the movie The Godfather Part II, and also Hester Street. They weren't filmed in this room, but in a room that looked a lot like this. Now, the staircase that I spoke to you about downstairs entered this floor just where these middle benches are. At that time, this entire floor area was covered by a network of what I call cattle runs. Bars similar to those on the scaffolding, dividing the floor area into alleys and passageways. And the immigrant would have to stand there holding his children and his luggage and move down from one medical examination to the next. Well, they were taken out in 1911. They were considered inhumane. And the benches that you're sitting on now were put in their place. They would go through their medical examination at that end of the room. They would check their hair, their skin, their heart, their limbs and digits. And then they would give them the eye test. And that was the most dreaded examination of all. And I'll talk more about that later. But if you had anything wrong with you, the medical inspector always had a piece of chalk. And they had a whole code system worked out. And they would give your lapel an appropriate symbol. You'd be taken from the line and moved to this end of the room. There were cages lining this whole wall, and you'd be put into those cages, and you would have to stay there until there was a doctor ready to give you a further medical examination. But if you had no difficulty, and most of the immigrants did not, you would have moved down these benches until you came to this end of the hall. Along that wall, there was a row of legal desks. And behind each desk, there was a legal inspector. Beside him, there would be a translator. Well, that legal inspector had about 2 minutes to ask you a series of 29 questions. What's your name? Where do you come from? Why did you come here? How much money do you have? Where did you get it? Let me see it. Do you have any friends here, any relatives, anybody to sponsor you to come out here and take care of you? Are you an anarchist? Who paid for your passage? Did you contract for employment in Europe to work in America? Well, you had to be very careful and give the correct answer, because if you gave the wrong one, you'd get an SI. Now that stood for the Board of Special Inquiry. And you were taken out of the line and put in cages, and when the board was available, they'd come and get you and you'd have to do some pretty fast talking. The board was composed of three voting members, a stenographer and a translator. Most of the immigrants didn't have any difficulty. 80% of them got in and out of here the same day, 3 to 5 hours. Now, the legal inspectors that worked here, most of them were Irishmen, and they didn't have very much experience with long European names.
So if you came through with a very long Russian name or a very long German name, they would cut your name in half, or they would make up a brand new name for you. Now, perhaps the most famous story, and some of you may have heard it, involves an elderly Russian Jewish gentleman that was passing through in the early 1900s. He had a very long Russian name. He had heard about the name changes, and he was concerned as to what new name he'd be given. So when he came into the baggage room, he went up to one of the baggage men, and he said, "Please, give me a good American name." Well, the baggage man thought for a minute, and he said, "Try Rockefeller." So he said, "All right, it sounds good." And he recited it to himself, "Rockefeller, Rockefeller," so he wouldn't forget it. Well, he came up that staircase, and he underwent his medical examination. He had no difficulties. But 5 hours later, he's in front of the legal inspector. And the man says to him, "What's your name?" Well, he got so flustered that he said, "Shane Fergessen." Now, that's Yiddish for "I forgot already." But the inspector thought, "Shane Fergessen, Sean Ferguson." Suddenly, he's an Irishman. Rien ne ressemble plus à un lieu abandonné qu'un autre lieu abandonné. Ce pourrait être n'importe quel hangar, n'importe quelle usine désaffectée, n'importe quel entrepôt déserté, rongé par l'humidité et la rouille, des docks effondrés, des fabriques où, depuis longtemps, plus rien ne se fabrique, des remises au rancard, des magasins oubliés envahis par les mauvaises herbes. Mais c'était là, à quelques brasses de New York, tout près de la vie promise. C'était la Golden Door, la porte d'or. C'était là, tout près, presque à portée de la main, l'Amérique mille fois rêvée, la terre de liberté où tous les hommes étaient égaux, le pays où chacun aurait enfin sa chance, le monde neuf, le monde libre, où une vie nouvelle allait pouvoir commencer. Mais ce n'était pas encore l'Amérique. Seulement un prolongement du bateau. Un débris de la vieille Europe où rien encore n'était acquis. Où ceux qui étaient partis n'étaient pas encore arrivés. Où ceux qui avaient tout quitté n'avaient encore rien obtenu. Et où il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre, en espérant que tout se passerait bien, que personne ne vous volerait vos bagages ou votre argent, que tous vos papiers seraient en règle, que les médecins ne vous retiendraient pas, que les familles ne seraient pas séparées, que quelqu'un viendrait vous chercher. Dans la légende du golem, il est raconté qu'il suffit d'écrire un mot, Emmet, sur le front de la statue d'argile pour qu'elle s'anime et vous obéisse, et d'en effacer une lettre, la première, pour qu'elle retombe en poussière. Sur Ellis Island aussi, le destin avait la figure d'un alphabet. Les officiers de santé examinaient rapidement les arrivants et traçaient à la craie sur les épaules de ceux qu'ils estimaient suspects une lettre qui désignait la maladie ou l'infirmité qu'ils pensaient avoir décelée. C, la tuberculose. E, les yeux. F, le visage. H, le cœur. K, la hernie. L, la claudication. SC, le cuir chevelu. TC, le trachome, X, la débilité mentale. Les individus marqués étaient soumis à des examens beaucoup plus minutieux. Ils étaient retenus sur l'île plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines de plus, et parfois refoulés. Well, that inspector had about 2 minutes to ask you a series of 29 questions. What's your name? Where do you come from? Why did you come here? How much money do you have? Where did you get it? Let me see it. Who paid for your passage? Did you contract for employment in Europe to work in America?
Do you have any friends here, any relatives, anybody to sponsor you, to take care of you? Are you an anarchist? Well, you have to be very careful. Une fois de plus, le guide raconte l'arrivée des immigrants, la montée des escaliers, les visites médicales, l'inspection des yeux, les lettres à la craie sur l'épaule des présumés malades, l'attente interminable, les 29 questions posées à toute vitesse. Il parle en marchant de long en large et les visiteurs le suivent du regard. Ces histoires, ils les connaissent depuis toujours. Ils savent qu'Irving Berlin s'appelait Isidore Balin quand il arriva à Ellis Island et que Samuel Goldwyn est passé par Ellis Island et Emma Goldman et Ben Shawn et que LaGuardia y fut interprète. Ils connaissent l'histoire de Sean Ferguson et celle des trois frères qui furent respectivement nommés Appletree, Applebaum et Appleberry. Ce n'est pas pour apprendre quelque chose qu'ils sont venus, mais pour retrouver quelque chose, partager quelque chose qui leur appartient en propre, une trace ineffaçable de leur histoire, quelque chose qui fait partie de leur mémoire commune et qui a façonné au plus profond la conscience qu'ils ont d'être américains. Give me a good American name. The baggage man thought for a minute. He said, try Rockefeller. So he said, all right, sounds good. So he started to recite it to himself, Rockefeller, Rockefeller, so he wouldn't forget it. Well, he came up those stairs, underwent his medical problems. No problems. 5 hours later, he's in front of the legal inspector, and the man says to him, what's your name? Well, they got so flustered, he said, shame for guessing. Le reste, on peut seulement essayer de l'imaginer, de déduire de ce qui reste, de ce qui a été conservé, de ce qui a été préservé de la destruction et de l'oubli. Et l'on peut se demander enfin ce que signifiait ce lieu pour tous ceux qui y sont passés. Quelle somme d'espoir, d'attente, de risque, d'enthousiasme, d'énergie était ici rassemblée. Ne pas dire simplement, 16 millions d'immigrants sont passés en 30 ans par Ellis Island. Mais tenter de se représenter ce que furent ces 16 millions d'histoires individuelles, ces 16 millions d'histoires identiques et différentes de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, chassés de leur terre natale par la famine ou la misère, l'oppression politique, raciale ou religieuse, et quittant tout, leur village, leur famille, leurs amis, mettant des mois et des années à rassembler l'argent nécessaire au voyage, et se retrouvant ici, dans une salle si vaste, que jamais ils n'avaient osé imaginer qu'il pût y en avoir quelque part d'aussi grande, alignés en rang par quatre, attendant leur tour. Il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais de comprendre. Quatre immigrants sur cinq n'ont passé sur Ellis Island que quelques heures. Ce n'était tout compte fait qu'une formalité anodine. Le temps de transformer l'émigrant en immigrant, celui qui était parti en celui qui était arrivé. Mais pour chacun de ceux qui défilaient devant les docteurs et les officiers d'état civil, ce qui était en jeu était vital. Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire. Ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre ici, une vie qu'on ne leur avait pas donné le droit de vivre dans leur pays natal. Ils étaient désormais en face de l'inexorable. The medical inspector would be there with a button hook. And that's a hook used to fasten gloves and shoes in those days. He'd have a basin of antiseptic.
And as each immigrant approached, he'd take the hook and dip it in the antiseptic, flip it under your eyelid, and flip your eyelid back, all in a matter of seconds. He was looking for any redness, inflammation, or mucus. And if you had it, you'd get a TC. You'd be brought to this room, he'd give you another look, and then he'd decide what to do with you. Now, certainly, trachoma was one of the major reasons that people were sent back to Europe. And it was bad enough when you were talking about adults. Families were broken up and people had to say goodbye. They might never see each other again. But it got to be a little bit more painful when you were talking about children. Now, the steamship company was required to return any immigrant that was not that did not pass the examination. And they had to pay for the room and board of any immigrant that was detained at Ellis Island. Well, if a child was under 10 and had to be sent back, they also had to pay for an adult to go with this child to make sure he got home safely. But if the child was over 10 years old, they only paid for the child. And it was up to the families to see whether they could scrape together the money to have an adult go with this sick child. And they would be bringing the child back to the port of departure, not necessarily to the country that he came from. Every country in Europe had the same name for Ellis Island, and that's the Island of Tears, because they knew what misery this place could have for them. During the days of immigration here, there were 3,000 suicides at Ellis Island. Of everybody that came here, 2% were ultimately sent back. 98% got in. And that sounds like a very good figure. And it is. But when you put 2% in human terms, it turns into well over 250,000 people. And that's a lot of people whose lives were cut in half by Ellis Island. Let's move on now to one of the legal rooms. Ce que nous voyons aujourd'hui est une accumulation informe, vestige de transformation, de démolition, de restauration successive. Entassements hétéroclites, amas de grilles, fragments d'échafaudages, tas de vieux projecteurs. Des tables, des bureaux, des armoires vestiaires et des classeurs rouillés, des montants de lits, des bouts de bois, des bancs, des rouleaux de revêtement pour toiture, n'importe quoi. Une grande casserole, une passoire, une pompe à incendie, une cafetière, une machine à calculer, un ventilateur, des bocaux, des plateaux de self-service, des tuyaux, une brouette, un reste de diable, des formulaires, un livre de cantiques, des gobelets de carton, une espèce de jeu de loi. Ce n'est pas seulement le temps qui a ravagé Ellis Island, ni l'humidité, ni le sel, mais les pillages. Pendant près de 20 ans, l'îlot désaffecté, à peine gardé, a été systématiquement mis à sac par des revendeurs de ferraille qui venaient y chercher des matériaux d'année en année plus précieux. Le cuivre des robinetteries, le laiton des boutons de porte, le zinc des toitures, le plomb des canalisations, le fer forgé des rampes d'escalier, le bronze des lampadaires et des lustres, tout ce qu'ils pouvaient emporter sur leur barque, laissant pourrir sur place des monceaux de meubles, des piles de matelas et de sommiers rouillés, des amoncellements d'oreillers crevés. Pourquoi racontons-nous ces histoires? Que sommes-nous venus chercher ici? Que sommes-nous venus demander? Loin de nous, dans le temps et dans l'espace, ce lieu fait pour nous partie d'une mémoire potentielle, d'une autobiographie probable. Nos parents ou nos grands-parents auraient pu s'y trouver. Le hasard, le plus souvent, a fait qu'ils sont ou ne sont pas restés en Pologne, ou se sont arrêtés en chemin, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre ou en France.
Ce destin commun n'a pas pris pour chacun de nous la même figure. Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent. Comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à l'appel. Ce qui, pour moi, se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du dicible, quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure, et qui est, pour moi, très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance. Ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil. J'aurais pu naître, comme des cousins proches ou lointains, à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais ou suédois. Mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une seule chose m'était précisément interdite, celle de naître dans le pays de mes ancêtres, à Lubartov ou à Varsovie, et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent, mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent, je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir, quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir oublié, mais celui de n'avoir jamais pu apprendre. C'est en cela que ma démarche est différente de celle de Robert Bobert. Être juif, pour lui, c'est continuer à s'insérer dans une tradition, une langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora, ni le génocide systématique de la solution finale n'ont réussi à définitivement broyer. Être juif, pour lui, c'est avoir reçu pour le transmettre à son tour tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes. Et c'est surtout avoir le sentiment de partager ses gestes et ses rites avec d'autres, au-delà des frontières et des nationalités. Partager ces choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu'elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes. Fragments d'oubli et de mémoire, gestes que l'on retrouve sans les avoir jamais vraiment appris, mots qui reviennent, partage fugitif, souvenirs de berceuse, photographies précieusement conservées, signes d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire, sur lesquels se forge son identité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est à la fois lui et identique à l'autre. C'est cette permanence de son histoire, sa résistance, sa ténacité, sa pérennité que Robert Bobert est venu éprouver sur Ellis Island et retrouver sous les traces laissées par ceux qui passèrent ici, sous les témoignages que nous allions recueillir, l'image du grand-père de sa mère, qui quitta en 1900 son village de Pologne pour aller en Amérique, mais attrapa le trachome lors de la traversée et fut refoulé. Peut-être les Juifs, peuple sans terre, depuis presque toujours voués à l'exode, à la survie au milieu de cultures différentes de la leur, étaient-ils plus sensibles que d'autres à ce qui était pour eux en jeu ici? Mais Ellis Island n'est pas un lieu réservé aux Juifs. Il appartient à tous ceux que l'intolérance et la misère
ont chassé et chassent encore de la terre où ils ont grandi. À l'heure où les boat people continuent d'aller d'île en île à la recherche de refuges de plus en plus improbables, il aurait pu sembler dérisoire, futile ou sentimentalement complaisant de vouloir encore une fois évoquer ces histoires déjà anciennes. Mais nous avons eu, en le faisant, la certitude d'avoir fait résonner les deux mots qui furent au cœur même de cette longue aventure. Ces deux mots mous, irrepérables, instables et fuyants, qui se renvoient sans cesse leur lumière tremblotante et qui s'appellent l'errance et l'espoir. So they started to serve ethnic food. There'd be an Italian meal, a kosher meal, an Irish meal, a German meal. Remember, these people had probably eaten only what was served on their table back home. But you had the additional problem of the Irishman showing up at the Italian dinner of spaghetti and tomato sauce. Well, a lot of them would refuse to eat it because it looked like a bowl of bloody worms. Or you'd give somebody a banana. We'd have enough sense to peel it. But if you'd never seen a banana before, you might bite into its skin and all, and a lot of them did. Some of them even peeled the banana, threw away the inside, and ate just the skin. It was their first sampling of foods from other countries. Are there any questions? Follow me, please. At any rate, this is one of the most important places on all of Ellis. The rooms that we just saw, the medical, the legal, and the dining, would have been seen only by those immigrants that were detained. But all of them would have been standing where you're standing right now. And by the time they came down that staircase, and that's a staircase we climbed earlier, they'd know whether or not they were on their way to America. Well, the first thing they'd want to do is come right here to the money exchange and have their foreign currency converted into American money. And if they were very lucky, they'd get American money. The cashiers here could give them cigar wrappers, coupons, play money, other foreign currency, certainly not the true value of their currency. The immigrant had no idea what American money looked like, and they could cheat them blind, and they did. Well, that concessionaire was thrown out, and another one was brought in, and he was thrown out, and another one was brought in. And finally, in 1924, the American Express Company took over the office. Well, then you'd want to go down here to the post office. And there you could send a letter back home and tell them the good news, or perhaps the bad news. Franz Kafka, l'Amérique. Lorsque, à 16 ans, le jeune Carl Rossmann entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent,
La statue de la liberté qu'il observait depuis longtemps lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. Être émigrant, c'était peut-être très précisément cela, voir une épée là où le sculpteur a cru en toute bonne foi mettre une lampe, et ne pas avoir complètement tort. Sur le socle de la statue de la liberté, on a gravé les vers célèbres d'Emma Lazarus. Donnez-moi ceux qui sont là, ceux qui sont pauvres, vos masses entassées, assoiffées d'air pur, les rebuts misérables de vos terres surpeuplées. Envoyez-les-moi, ces sans-patries ballottées par la tempête. Je lève ma lampe près de la porte d'or. Mais au même moment, toute une série de lois a été mise en place pour contrôler et un peu plus tard contenir l'afflux des immigrants. Au fil des années, les conditions d'admission devinrent de plus en plus strictes et petit à petit se refermèrent les portes de cette Amérique fabuleuse, de cet Eldorado des temps modernes où, racontait-on aux petits-enfants d'Europe, les rues étaient pavées d'or et la terre si vaste et si généreuse que tout le monde pouvait y trouver sa place. ...4 millions d'immigrants sont venus d'Irlande. 400 000 immigrants sont venus de Turquie et d'Arménie. 5 millions d'immigrants sont venus de Sicile et d'Italie. 6 millions d'immigrants sont venus d'Allemagne. 400 000 immigrants sont venus de Hollande. 3 millions d'immigrants sont venus d'Autriche et de Hongrie. 600 000 immigrants sont venus de Grèce. 600 000 immigrants sont venus de Bohême et de Moravie. 3 500 000 immigrants sont venus de Russie et d'Ukraine. 1 million d'immigrants sont venus de Suède. 300 000 immigrants sont venus de Roumanie et de Bulgarie.
Les immigrants qui débarquaient pour la première fois à Battery Park ne tardaient pas à s'apercevoir que ce qu'on leur avait raconté de la merveilleuse Amérique n'était pas tout à fait exact. Peut-être la terre appartenait-elle à tous, mais ceux qui étaient arrivés les premiers s'étaient déjà largement servis, et il ne leur restait plus, à eux, qu'à s'entasser à 10 dans les taudis sans fenêtre du Lower East Side et travailler 15 heures par jour. Les dindes ne tombaient pas toutes rôties dans les assiettes, et les rues de New York n'étaient pas pavées d'or. En fait, le plus souvent, elles n'étaient pas pavées du tout. Et ils comprenaient alors que c'était précisément pour qu'ils les pavent qu'on les avait fait venir. Et pour creuser les tunnels et les canaux, construire les routes, les ponts, les grands barrages, les voies de chemin de fer, défricher les forêts, exploiter les mines et les carrières, fabriquer les automobiles et les cigares, les carabines et les complets vestons, les chaussures, les chewing-gums, le cornet de bif et les savons, et bâtir des gratte-ciels encore plus hauts que ceux qu'ils avaient découverts en arrivant.